Je me tourne vers vous, Bertrand Collette. Vous êtes ici, donc, on le disait à l'instant, pour nous parler de cette exposition, qui est d'abord, en fait, avant d'être une exposition, est-ce qu'on peut dire un lieu, puisque c'était un lieu, donc la digue du large, qui n'était pas ouvert aux Marseillais, en tout cas qui était fermé aux Marseillais depuis 2001, et que du coup, ils vont pouvoir se réapproprier jusqu'en septembre, tous les week-ends, pour pouvoir y admirer des œuvres d'art, notamment. Est-ce que ça a été compliqué à mettre en place ce projet sur effectivement ce lieu qui était fermé pour des raisons de sécurité? Sur Marseille-Provence 2013, tout a été compliqué. Mais ce projet-là, paradoxalement, il nous a fallu beaucoup de temps. On en parle depuis très longtemps, depuis le dossier de candidature. C'était un des points forts qu'on voulait absolument réussir. Donc, on a beaucoup discuté avec le port. Et on a convaincu un peu tout le monde que c'était vraiment l'occasion de célébrer ces retrouvailles entre la ville et le port, et le point de vue qu'on a de la digue du large est quelque chose d'absolument Exceptionnel. exceptionnel. Donc voilà, le port s'est vraiment engagé dans cette aventure avec nous. Ils ont refait déjà 1 km de digue parce qu'il faut la conforter, il faut l'améliorer. Parce qu'en tout, elle fait 7 km Fait de long, hein, 7 cette kilomètres, digue, presque hein. 8, et c'est une œuvre d'art en soi, je trouve. C'est une œuvre de land art, comme ça, qui est posée sur la mer, il y a 30 mètres de fond à cet endroit-là. Donc c'est vrai que pendant des années, les Marseillais ont pu se balader, aller pêcher. Je crois même qu'au siècle dernier, les gens allaient voir des régates, et il y avait des paris sur les régates de voile qu'on pouvait regarder de là. Et là, ben Parce voilà, qu'en c'est des fait, c'est retrouvailles. une presqu'île, en fait, hein, cette digue du large. C'est une île, puisqu'il n'y a pas d'accès, hein, c'est même pas une presqu'île. On ne peut pas s'y On rendre à peut pied pas quand si, même. si, y a un Enfin, on pont, pourrait, mais mais il faut on n'a pas le droit. franchir un pont. Et dans Ouais. l'emprise du port, en fait, hein, c'est Voilà. privé, enfin c'est industriel quand même. On est en plein dans l'emprise du port. C'est pour ça qu'elle a été fermée, du fait des lois Vigipirate. Pendant tout un temps, on n'a pas pu y accéder. Et là, on a mis en place des navettes pour que les gens puissent, en tout cas, redécouvrir cette partie de la digue du large qui a été aménagée entre, disons, le J1, pour ceux qui connaissent, et la Vigie Sainte-Marie et la Donc c'est mer, puisque ça va jusqu'à l'avancée du port. Alors, ensuite, c'est pas vraiment une expo, hein, ce qu'on présente. C'est-à-dire qu'on s'est dit, sur ce lieu-là, il faut qu'on réussisse à créer quelque chose d'un peu fort, d'un peu exceptionnel. Et donc, on a lancé un concours, hein, ça a été une procédure assez lourde, où on a lancé un concours, avec le soutien d'ailleurs d'Euroméditerranée et du port et du ministère de la Culture, qui a financé aussi cette œuvre-là. Et au terme de cette sélection-là, c'est cet artiste, Kader Attia, qui est franco-algérien, en tout cas originaire d'Algérie, Et qui a été qui a sélectionné été pour pouvoir sélectionné. présenter ses œuvres. Donc Kader Attia, comme vous venez de le dire, qui a investi donc ce lieu, comme on l'a dit, cher, très cher aux Marseillais. Et apparemment, ça lui a pas échappé à Kader Attia. Écoutez-le. Enfin, ce que j'ai retiré de toutes ces conversations, que j'avais notées et enregistrées d'ailleurs, c'est qu'on ne peut pas arriver sur un site comme la digue du large avec un rapport à l'art contemporain qui dénie ça, qui contourne le public, qui contourne le rapport aux habitants, qui contourne le rapport justement à ce désir instinctif que tout individu a, et que j'appelle la réappropriation en fait. Donc l'idée c'était vraiment de revenir à ce qui a nourri l'architecture en Méditerranée, hein, à savoir le rapport à la fois à l'habitat mais aussi à l'espace, et avec cette particularité qui va d'ailleurs frapper Le Corbusier dans l'architecture méditerranéenne, et notamment sur la Casbah d'Alger, hein, ou à Gardaïa, c'est que la terrasse fait partie de l'immobilier, mais comme un élément, comme une pièce de la maison en fait. La terrasse fait partie de la maison. C'est un passionné d'architecture, Kader Attia. Il aime beaucoup également l'œuvre de Fernand Pouillon, qu'on peut peut-être voir derrière nous, puisque c'était cet architecte qui a fait évidemment le Vieux Port, notamment.
Et Le Corbusier. Et il a beaucoup travaillé évidemment sur Le Corbusier aussi. D'ailleurs, son projet d'origine était en deux parties. La partie qu'on a réalisée là, avec cette espèce de promenade de sculpture, parce que ce n'est pas des œuvres qui sont posées, c'est une promenade qui on peut y qui aller, propose. Hein, on peut marcher dessus. C'est une expérience qu'on peut mener en montant sur les blocs. On peut découvrir tous les points hauts sur la digue du large de cet endroit-là. Donc, c'est vraiment... voilà, une œuvre très particulière. Ce n'est pas quelque chose qui est derrière un fil et sur lequel on ne peut pas toucher. Là, on monte dessus, on peut pique-niquer, on peut s'installer. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un passionné d'architecture. Et de là où il est, de cette digue, on a une vision justement des différentes architectures de Marseille incroyable. Parce qu'on voit autant le Palais du Pharaon que le Fort Saint-Jean, que le Mucem, hein, qui vient de sortir de terre, qui sera d'ailleurs inauguré et ouvert la semaine prochaine. On voit également le J1, on voit également la tour CMA-CGM. C'est aussi pour ça que vous aviez sélectionné quelqu'un qui avait ce goût-là pour l'architecture. Ouais, je crois que oui, on avait envie de mettre en valeur ce nouveau Marseille qui se présente aujourd'hui. C'est d'ailleurs étonnant de voir comme les gens déambulent maintenant. Il y a une espèce de nouvelle promenade, une nouvelle rambla marseillaise qui va du Vieux-Port jusqu'au J1. Et donc, on avait envie que ce soit un architecte qui propose non pas une œuvre d'art classique, mais une espèce d'architecture qui regarde la ville et regarde la mer. Donc, c'est vraiment ce double point de vue qu'on propose. Et d'ailleurs, allez-y Hervé. Oui, je voulais aussi dire d'ailleurs concrètement, donc on va prendre une navette, vous l'avez expliqué un petit peu, il faut se renseigner un peu avant sur la météo et il vaut mieux partir avec son pique-nique de l'eau, comment ça se passe là? Et d'où prend-on la navette alors, d'ailleurs? Voilà, les navettes, donc, elles fonctionnent, elles sont gratuites d'abord, on a tenu à ce que ce soit des navettes gratuites. Ça c'est partent. Bien, ça c'est très bien. C'est pas mal. Ouais, ouais. Bon. Alors du coup, on a limité la mise en place de ces navettes au week-end, donc ces navettes qui fonctionnent le week-end et les jours fériés. De 10h à 18h. De 10h à 18h30, la dernière navette, mais donc le public peut rester jusqu'à 20h, ce qui à cette période-là est plutôt agréable parce que le coucher du soleil est très beau. Et elle part donc du pied du Fort Saint-Jean, entre le Fort Saint-Jean et le Mucem, hein, qui est de la Tourette. Et on est à peu près sûr que ça fonctionne jusqu'à 25 nœuds de vent établis. Donc, il y a des discussions avec la capitainerie chaque fois pour savoir si on y va, on n'y va pas. Mais le week-end dernier, vous vous souvenez, il y avait quand même pas mal de week-ends. On a réussi à ouvrir les deux jours et ça a été formidable de commencer parce que voilà, il y a eu d'abord un monde fou. Les gens ont vraiment le sourire en retrouvant cet espace-là. Et donc, ça se passe. Et est-ce qu'on peut s'y rendre par ses propres moyens? Est-ce que si on a un bateau, par exemple, on peut décider d'aller s'arrêter mouillé à côté de... Parce que Rosalie a un bateau. Oui, bien sûr. Non, j'ai pas de bateau, mais enfin... Non, je pense que c'est pas du tout fait pour ça. C'est-à-dire que les quais à cet endroit-là ne sont pas du tout adaptés. Et y a quand même un mur de 1,50 m avant d'accéder à la digue. Donc, c'est pas fait pour ça du tout. Donc, voilà, on est quand même sur le périmètre du port. Et en plus de ça, il y a tous les gros bateaux qui passent. Oui, c'est-à-dire que notre navette, il faut qu'elle respecte les bateaux pour la Corse. Il ne faudrait pas créer d'embouteillage en mer, juste au large. Voilà, donc, on va éviter ça et on va éviter d'y aller à la nage aussi. Très bien, parfait. Bon, alors, et aussi une idée qui peut être sympathique à partir peut-être donc de la semaine prochaine, en tout cas après le 7 juin, c'est peut-être de prendre la navette et d'aller au lever le matin quand il n'y a pas trop de monde, se balader sur la digue du large et puis revenir et peut-être faire une des expos que proposera le Mucem. Puisque le Mucem sera en journée porte ouverte pendant 3 jours à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est vraiment une très belle occasion de découvrir ça. Et la Villa de la Méditerranée et le musée Regard de Provence. Et le château Borély qui ouvrira le 15-16 d'ailleurs. Et le château Borély qui est un peu plus loin, mais qu'on pourra voir à partir du 14 juin l'inauguration.